89 ans, Geneviève de Fontenay n'a rien perdu de sa capacité d'indignation, et ce n'est pas son tailleur qui l'empêche de jouer les tatas flingueuses. Comme elle le prouve dans un entretien accordé à Jourdain Deluxe pour l'Instant Deluxe diffusé ce 13 septembre. Interrogée sur sa brouille avec l'épouse de Jean-Pierre Pernaut et sur ses relations avec Cyril Hanouna, l'ancienne présidente du comité Miss France a dispersé façon puzzle. Cyril Hanouna, je ne retournerai plus chez lui à cause de cette histoire avec Nathalie Marquet. S'est-elle énervée à l'évocation de l'animateur de TPMP. Je n'ai jamais compris ce qui lui était passé dans la tête à elle. Quand elle a parlé de couilles et tout ça. De trucs vulgaires incroyables. Elle a été Miss France en 1987. Virgule a fustigé la dame au chapeau faisant allusion aux propos courroucés de Nathalie Marquet-Pernaut qui l'avait accusée d'avoir volé son faire-part de mariage dans TPMP avant de conclure à l'adresse de l'octogénaire, Geneviève. Arrêtez de nous casser les couilles, j'en ai marre, j'en ai ras-le-bol. Point. Mais la mère de Xavier de Fontenay ne s'est pas arrêtée là et a lancé une bombe devant un Jourdain Deluxe sidéré dévoilant que selon elle Nathalie Marquet n'aurait jamais dû être couronnée Miss France, son élection a été quand même bien discutée. Point d'exclamation. Ce devait être la réunionnaise. Celui qui tria à Europe, il ne s'en sortait pas des bulletins. Point alors ça a fini par elle. Mais cela devait être Miss Réunion. Nous ne comprenions pas. On attendait le résultat et elle a eu de la chance. Je ne sais pas comment est venu le trucage. Tout le monde était étonné du résultat mais comme c'était la première émission télévisée des Miss, ils n'ont pas voulu faire d'histoire. Geneviève de Fontenay s'est montrée impitoyable avec son ancienne protégée, Jean-Pierre Pernaut d'après tout ce que j'ai entendu. J'ai l'impression qu'il a surtout acheté l'écharpe Miss France. Nathalie Marquet n'a pas un cerveau valable. C'est trop grave. Jamais une Miss France ne m'a parlé comme ça, elle n'a rien dans la tête. Point. Offensive, Geneviève de Fontenay ne s'en prend pas à toute la famille pour autant. Trouvant quelques qualités à l'époux de Nathalie Marquet. C'est pas le style de Jean-Pierre Pernaut, ça c'est sûr. Lui. C'est un homme de talent. Ça prouve que c'est l'écharpe qui attire. C'est étonnant mais ça arrive et c'est la vérité. A-t-elle asséné ? Une vérité qui ne devrait guère faire plaisir aux principaux concernés.